Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vivre la neuvaine de cette année avec vous. Neuvaine à Saint-Joseph, à l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, en communion bien sûr avec Saint-Joseph et Saint-Frère André. Année spéciale dédiée à Saint-Joseph, et c'est la providence qu'il a voulu, ainsi pour l'oratoire cette année. Et le thème de la neuvaine cette année, c'est Joseph, force et tendresse de Dieu. Joseph, force et tendresse de Dieu. Ce que le frère André a vécu tout le temps ici pour présenter Joseph et nous envoyer à lui pour obtenir la tendresse de Dieu, la force de Dieu. Et le pape parle de Saint Joseph en disant que Saint Joseph a aimé Jésus et Marie avec un cœur de père. Et moi, j'aimerais ajouter aussi avec des entrailles de mère aussi. Et c'est ainsi que Dieu est. Dieu est à la fois père et mère. Dieu nous aime avec tendresse, mais en même temps, on sait que avec les entrailles de mère. Et c'est ce Dieu que Joseph a connu, parce que ses ancêtres connaissaient Dieu comme un Dieu qui aime à la fois comme un père et comme une mère, qui porte son enfant comme un nourrisson, qui l'aide, qui l'apprend à marcher, qui l'aide en toute situation. Et Joseph, cette année, nous le présentons comme vraiment cette tendresse de Dieu. Si Joseph est pour nous témoin privilégié de la tendresse de Dieu, nous avons besoin alors de connaître ce Dieu de Joseph, ce Dieu de ses ancêtres, ce Dieu qu'il a enseigné à Jésus. Qui est le Dieu de Joseph? Et voilà ce dont nous allons parler pendant les trois premiers jours, pour arriver aussi dans notre cœur à vivre avec Joseph, à recevoir avec lui la tendresse, la force, la compassion, la sollicitude qui vient de Dieu. Saint Joseph vous invite à le rejoindre à l'oratoire pour vivre cette neuvaine ensemble avec lui, pour en recevoir toutes les bénédictions de la part de Dieu. Et Saint Frère André vous dit, allez toujours à Joseph, vous recevez toujours ce dont vous avez besoin de la part du Seigneur. Merci à vous tous, vous êtes tous les bienvenus.